Oui, ben voilà, donc merci d'avoir pris une chaise et d'être sur le pas de ta porte. Le principe est simple, la plupart des gens qui font des reportages vont couper la phrase miracle lors de ton contexte, tu vois, et ici je l'ajoute tout à fait, voilà, je l'ajoute tout à fait différemment. On laisse, donc si tu parles 10 minutes, ça sera 10, si c'est 20, c'est 20, je ne fais pas de coupe, l'idée c'est d'arriver à faire un numéro filmé tel jour et diffusé J plus 1. J'ai encore des problèmes de logistique pour y arriver, mais ça va se régler. Et simplement raconter au travers d'un panel de gens, alors ici il se fait qu'on est voisins et qu'on s'est rencontrés dans des circonstances rigolotes, mais de vraiment avoir un panel des gens qui sont le fondement de la société belge. Alors toi, t'es artisan et puis le confinement ne t'empêche pas de travailler, j'ai entreaperçu. Mais voilà, donc en tout cas, donne simplement ton prénom, si ton nom tu veux le donner. Je m'appelle Renzo Salvador et puis je suis luthier et oui, je peux un tout petit peu continuer à travailler, c'est-à-dire que je fais toutes les choses que je n'ai pas eu le temps de faire ou que la paresse m'a interdit de faire, etc. Mais j'ai des clients qui sont français dans les prochains, donc voilà. Rentrée financière, zéro. Quoi. Mm-hmm. Le magasin est à l'arrêt, alors que c'était une période particulièrement sensible. Hein. C'est la préparation du festival, ça c'est plutôt pour les professionnels, mais mm-hmm. sinon, pour le magasin, c'était toutes les... On va peut-être laisser passer la voiture. Oui, simplement. Et donc je disais que bon, le magasin il est complètement à l'arrêt parce que c'était la période des examens dans les académies et c'était vraiment un bon moment évidemment pour vendre des guitares et accessoires, ces choses-là. Donc là c'est à l'arrêt. Maintenant je continue, je me penche un peu plus sur le site internet, etc. Mais je manque de matos pour continuer vraiment à m'avancer dans le travail. D'accord. Et de manière quotidienne, tu es tout seul dans la maison ou en famille ? Je suis avec ma compagne et puis... Et puis voilà, on est dans l'appartement, on ne sort que moi pour aller chercher la baguette ou pour aller au petit producteur, c'est-à-dire dans un rayon de 50 mètres, un peu de choses près. Et puis voilà, on apporte de la nourriture et des courses aux parents de ma compagne qui eux ne peuvent absolument ouvrir leur porte à personne. Mmh. Voilà, ils ont 90 ans et ils sont terriblement fragiles et on y tient terriblement beaucoup. Voilà, j'imagine. Et le fait d'être confiné, parce que pour pas mal de gens c'est un don de temps tout à fait inattendu, beaucoup de gens ne s'y attendent pas et le vivent mal, et toi, et ta compagne, comment vous gérez les choses ? Oui, je crois que ça doit être un peu comme le veuvage, quoi. C'est une sorte de liberté dont on hérite, on ne sait qu'en faire. Mm-hmm. Et voilà, mais non, je me repenche sur quelques textes, quelques articles, quelques bouquins que je n'ai pas eu le temps de lire, et puis je relis Les Fables de La Fontaine, qui est... En propos du français, c'est quand même pas mal. Je refais ce que le temps ne m'a jamais laissé. Et puis je fais un peu de grasse matinée. Mais je travaille aussi, ou je m'avance, ou je bouquine, ou je fais quelques recherches tard le soir. Voilà. Mm-hmm. En fait, c'est le temps qui est décalé. À la limite, si la situation n'était pas si grave, je trouverais que c'est assez confortable. Oui, d'accord. Si ce n'était pas grave. On peut imaginer. Je crois que je ne suis pas le seul dans le cas. C'est vrai qu'on on a du temps devant soi et on a passé la moitié de son existence à courir après le temps. Maintenant, il nous tombe dessus. Mais ça n'a pas l'air d'être vide, tu as encore le sourire. Et... Ah oui, je garde la bonne humeur, je n'ai pas de température, je n'ai pas de courbature, ça va quoi, ça va. Et les miens se portent bien, voilà. Et mes voisins aussi, et mes amis aussi, donc pour le moment il n'y a pas une ombre au tableau. C'est par respect que évidemment je respecte le confinement. Mm-hmm. Et il y a eu un temps d'adaptation ou quasiment du jour au lendemain c'était simple de trouver sa marque ? Non, c'est assez simple. Déjà, je fais un métier un peu particulier, je travaille seul. Mm-hmm. Donc la solitude, ça me convient très bien. Mm-hmm. Même si pour le moment je ne produis pas, mais non, je suis en paix avec moi-même. Donc je vis ça
relativement bien. Et quitte à avoir une tribune libre, si tu avais des choses à dire à monsieur, madame, tout le monde, ou aux gens qui t'entourent, t'en profiterais pour dire. Mon Dieu, que dire, si ce n'est qu'on traverse un moment absolument, absolument terrible. J'espère qu'il y aura un avant et un après. J'espère qu'on va tirer des leçons. J'espère que philosophiquement, on va se remettre un tout petit peu les idées en place et qu'on va pouvoir un tout petit peu tirer des conclusions de ce qui s'est passé, pas simplement au niveau sanitaire, mais au niveau philosophique, au niveau politique aussi. Ça vaudrait la peine quand même de se pencher un petit peu là-dessus, de dire mais qu'est-ce qu'on a fait comme connerie jusque maintenant. Avec mon côté trublion, j'aurais envie de dire, tiens, il y a une autiste qui parlait d'un truc, si on mettait le monde à l'arrêt, et là, boum, d'un coup, c'est fait. Et d'un coup, c'est fait. J'ai même été étonné tout à l'heure, sur Internet, je réécoutais un speech de Mélenchon en 2017, et puis, à la limite, ils disent exactement ce qui se passe maintenant, quoi, voilà. Voilà, service public, c'est important, le service public. Alors, tirons un tout petit peu à gauche, là, maintenant, le libéralisme à outrance, appelé libéralisme, d'accord, mais comme il est là, il est con. Mais j'espère quand même que les banques vont essayer de nous aider, hein, parce qu'on les a aidés quand même méchamment. On a quand même renfloué à coup de milliards, et puis là, ils ne sont pas très très sympathiques. Donc voilà. En tout cas, il y a une nouvelle qui est à moitié convaincante, c'est que visiblement, ils sont en train de penser à l'épargne privée et à la mobiliser pour pouvoir... Alors, sur base de volontariat, qui donnera ses sous à l'État pour pouvoir le faire. Mais bon, entre le volontariat et l'obligation, il suffit peut-être de 8 semaines. Oui. Voilà. Mais pour le moment, ça va mal. Et quand ça va mal, les gens sont bien, sont solidaires, ils pensent aux communautés, etc. C'est quand ça va très mal que ça part en vrille. Et là, les gens ne sont plus du tout sympathiques. Et en ayant une vue sur la rue... En permanence, il y a des jolies choses que tu as vues se produire devant toi. Oui, on applaudit à 20h tous les jours et on le fait très sincèrement. On applaudit les gens qui vident nos poubelles et qui prennent leur part de risque aussi. Et puis voilà, et puis, c'est une rue qui a tellement de vie que quand elle est silencieuse comme ça, c'est un petit peu dramatique. Mais on met ça en réserve. Voilà, on va refaire de la bière... pour la Corona Novis, hein, pour la fin de la peste. Et puis on refera des fêtes entre potes ici dans la rue et forcément tu es bienvenu. C'est peut-être un peu prématuré. Tu l'as déjà dit la fois où on s'est rencontrés de manière inopinée. Et dernière petite question. C'est le moment important, ça. Ouais. Et dernière petite question. Je viens de la perdre avec le fait d'avoir ri. Ah oui, voilà, c'est parce que tout le monde se dit « Ah ben tiens, il y a des gens malades. » Dans ton réseau de personnes, est-ce que tu es touché par le fait que quelqu'un vient d'aller à l'hôpital ou qu'il est confiné parce qu'on non, en est certain non, qu'il est là voilà, une collègue de ma compagne qui vient d'être mise dans le coma, ce qui la perturbe beaucoup, je veux dire. Sinon, dans mes connaissances, non, personne. Et je n'ai pas, puisque je suis quand même d'origine italienne, je me penche un tout petit peu sur ce qui se passe là-bas. Mon village a l'air assez préservé. C'est dans quelle région, toi ? Dans les Dolomites. C'est quand même le nord, c'est pas tout à fait la région top, la plus touchée. Et eux, ils rament quand même beaucoup. Oui, vraiment. Et eux sont confinés en tout cas. Ils sont bien sûr confinés. Jusqu'à quelle date ils t'ont déjà Je ne sais pas. J'ai une copine qui est en Sardaigne et eux, la décision est prise, ferme et militaire jusqu'au 31 juillet. Donc, ah ben voilà. Je suppose qu'on va vers ça. Bien sûr. Et ça ne cause pas d'angoisse en disant comment je vais faire, un fond de roulement qui permet d'aller faire les courses et tout. Tu te dis ça va ou. Où tu te poses vraiment des questions en disant comment on sera fait demain ou le fait non, de simplement... Ça va, je ne pense pas à trop court terme, mais j'imagine que pour le mois d'août, on sera tranquille, quoi, en quelque sorte. Non, je crois que j'ai de quoi tenir le coup. Il y a bien pire que moi, il y a des gens dans la rue, il y a des SDF, il y a des gens qui sont mal. Non, c'est, franchement, me plaindre serait une insulte pour les autres. Et dernière, on terminera sur cette question toute simple.
le fait d'être confiné, d'aucuns m'ont dit, ah ben tiens, on en revient à des choses vraiment simples, alors simplement, par rapport à la cuisine, tu restes sur tes habitudes, ben, Je suis déjà passionné de cuisine, c'est une des seules choses qui me détend. Mm-hmm. Voilà, une des rares choses qui me détend vraiment, qui arrive à m'extraire de mes problèmes de si bémol et de do dièse que j'essaye péniblement de maîtriser. Donc je cuisine, et c'est une façon pour moi en plus de passer le cap, de me désangoisser. Oui, bien sûr, j'ai une angoisse, mais une angoisse latente, profonde. Oui, qui ne date pas nécessairement. Ben, j'aime les gens tombent malades et les gens meurent, donc ça m'embête beaucoup. Voilà, mm-hmm. c'est tout. Et plus ça se rapproche de moi, plus ça fout un peu la troupe quand même.